Allez, salut le Cap Nord-Est. Salut Juju. Salut Martin. Salut Elliot. Qui est à la console tout seul ce soir? Attention. Ouais, il est tout seul. Il a été abandonné. Non, il est à la réalisation seul tout magnifique ce soir. Émission. Et normalement, il va s'en sortir comme un chef. Oui. Normal. Donc, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est Web TV. Chaud vacances. Chaud, eh ouais, chaud, et c'est les vacances. C'est voilà. Les vacances scolaires. Chaud vacances. Voilà. Donc ça va être cool. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont et bon courage. Alors, pour ceux qui regarderont l'émission ce soir, bon courage pour ceux qui ont cours demain matin. Sinon, bonnes vacances à tous. Voilà. C'est ça. C'est les vacances d'hiver. Voilà. Il y en a peut-être qui vont partir. Non, à c'est pas les vacances d'hiver, c'est les vacances de. Février, hiver. Ah oui, bon. Oui, c'est vrai. C'est les vacances de la neige. Ah oui, bon, ceux qui ont la chance de partir au ski. Mais si vous ne pouvez pas partir au ski, n'hésitez pas à rester à Gravigny et venez. On a plein de choses à vous proposer pour les vacances. Et ouais, vous allez voir le programme. Et c'est un bon programme. Excellent, excellent, excellent. Pour commencer ce magnifique programme de festivités vacanciales, je ne sais pas si ça se dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on vous le répète encore une fois, le carnaval du PST aura lieu le samedi 25 mars 2023. Mmh. À 10h sur le parking du complexe sportif, à côté du studio. De toute façon, vous voyez, c'est ça, vous avez le studio, complexe sportif. Clairement. Ouais, c'est ça. Voilà, et il faut venir habiller sur le thème des Vikings et des chevaliers. Si possible. Si possible. Bon, après c'est pas obligatoire. Moi, j'ai quand même un déguisement de princesse. Mais c'est plus sympa si vous pouvez venir. J'ai bien envie de le mettre. Ça va être bien pour les chevaliers du coup. Voilà. Et vous en avez pour environ à peu près une petite heure de défilé. C'est ça. Il y aura on brûlera le bonhomme carnaval. Ouais. On brûlera la remorque. Non, on brûlera pas la remorque. On fera des bulles, je crois. Oh, trop bien. Un lancer de confettis. Et il y aura un petit verre de sirop. Le petit pot de l'amitié, comme on dit. Ouais, je pense le petit pot de l'amitié pour les enfants. Comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc avant ce carnaval, il faut quand même le préparer. Exactement. Oh là. Pour le préparer, vous avez les ateliers enfants-parents qui se feront au PST. L'affiche va arriver. La première semaine, voilà. PC, le PC est très lent quand même. Le 14 et le 21, c'est la même chose. C'est peinture et déco, c'est sur les mêmes horaires. Donc 10h, 11h30 pour les 2 à 6 ans à la MDS. Réservation obligatoire. Mm-hmm. Je tiens à le repréciser encore une fois. Je ne sais pas s'il reste de la place. Je sais pas. Ouais, si, il doit rester de la place. Il doit rester quelques places. N'hésitez pas vraiment à envoyer un mail ce week-end ou venir directement à la MDS à partir de lundi, du coup. Exactement. Ouais. Et pour les enfants à partir de 6 ans, du coup, on peut. Donc, du coup, venez au studio. Hein. On vous invite nombreux et nombreuses à venir au studio le 15 février de 14h30 à 16h pour continuer le char, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, pour continuer le char. Donc, Florentin et Julien ont commencé. La semaine dernière... On a construit un bateau sur une remorque. Voilà. Un drakkar. Un drakkar. Un bateau de viking. Voilà. Et par contre, on avait un souci avec la remorque. Donc, j'ai pas trouvé de roue pour la remorque. Donc, c'était l'occasion de lancer un appel. Non, j'ai déposé la jante et j'ai déposé la deuxième bientôt. Il faut que je trouve un cric maintenant pour lever la remorque, vous allez être très lourde. Et on va j'en ai un cric dans ma voiture. On aura des pneus neufs. Des pneus neufs. Et voilà. du coup, le 22 février, ce sera du coup à la MDS, donc sur les mêmes horaires. Nickel, t'as tout dit. Voilà. Wow. Le planning du point jeune, hein, on va pas y redébédier. On l'a vu la semaine dernière. Voilà, donc gros planning. Planning, multisport. Ouais. Loisirland le mardi sur facture, bien évidemment à la fin du mois. Initiation couture le mardi et le mercredi. Le mercredi matin, ils refont du sport comme le lundi après-midi. Le jeudi, toute la journée, ils sont insensés pour faire un tournoi de ouf-ball. Parce que c'est des oufs, voilà. L'après-midi, ils font des semis au carré biodiversité. Et le vendredi, ils font l'apéro blabla avec les parents et les ados. La journée du vendredi n'est pas encore programmée. Pour la deuxième semaine, il y a du coup le tournoi le multisport au gymnase le lundi matin, le mardi, mercredi, lundi, mardi, après-midi. Initiation couture, le mardi matin c'est encore en cours de chargement mais ça devrait pas tarder à arriver. Le mercredi, initiation basket à Netreville, l'après-midi on ne sait pas encore. Le jeudi, toute la journée du coup à Eva, jeu vidéo en VR sur Rouen. Rouen, ouais. Et c'est pour les plus grands, je crois. Oui, je crois. Il me semble que c'est à partir de 13-14 ans. À 14 ans, le faire. Et j'ai essayé de négocier tout à l'heure avec Manon pour y aller. Pour y aller. Elle a dit quoi? Et c'est jouable.
Allez, let's go. C'est jouable, quoi. Ah là 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 là. C'est jouable. Parfait. J'ai essayé de m'incruser sur le truc. Elle m'a fait oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai regardé l'émission de la semaine dernière. Et du coup, elle est bonne joueuse. Elle m'a dit bah écoute. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Si j'ai besoin, ça peut m'arranger en plus. Ok, voilà. Bah je fais moi si je peux arranger. Je viens. Moi, je dis pas non. Ah bah je viens. Y a pas de et le, donc, du coup, le vendredi, la journée est encore en cours de préparation. Et le soir, vous avez la boum carnaval. Du coup, qui se fera salle Gérard Philippe. Avec aurez... les autres accueils jeunes, il me semble. Exactement, ouais. Si je ne me trompe pas, vous aurez plus d'informations en venant au Point Jeune ou sur le Facebook du Point Accueil Jeune. Exactement. Point Accueil Jeune Gravini PST. Exactement. La fresque du climat, donc du coup, pour les. Oh, oh ça c'est fait... bien comme oh, ça. Ça fait un style sympa, j'adore. Oh, vas-y, laisse comme ça. Donc, Yot, du t'as coup, géré. Le 14 de 14h, du 14-14-16h30. C'est ça. Voilà. C'est à la mairie de Fontaine-sous-Jouy. Donc, voilà. Bah, ce matin, voilà, j'étais avec, Laurence, une adjointe du. Coucou Lucien. De Fontaine-sous-Jouy, pardon, je perds mes mots. Et on a préparé ça. Et donc, ça va être super cool. Ouais. Et donc, ça sera dans la mairie de Fontaine. Et donc, on a un peu préparé le jeu. Moi, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Toi, tu m'as dit que tu le connaissais. Moi, je le connaissais. Ouais. Moi, je le connais. Moi, j'ai à peu près. Une pro. Alors en fait, chacun décide ce qu'il veut faire avec sa fresque. C'est ça. Après, moi, normalement, je crois que je peux retrouver les photos de la fresque que j'ai faite. Mais toi, t'avais fait le jeu adulte. J'avais fait le jeu adulte. Nous, on va faire le jeu type enfant-ado. Parce que pour les enfants, c'est dur. Hein. C'est plus, ouais, il y a c'est marqué enfant, compliqué. Mais c'est vraiment ado quand même. Mais ça a l'air sympa en fait. Ça a l'air vraiment ouais. Cool. Les images sont marrantes et tout. Enfin, sont marrantes. C'est... Non, c'est pas je hyper verrai, drôle, mais c'est bien foutu. Votre... Quoi. C'est cool à faire. Donc voilà. Mais d'ailleurs, ouais, il faudra que tu me briefes un peu là-dessus. Roomki. Ok, on a des messages sur le chat. C'est Lulu. Hein. C'est Lulu. C'est ok, donc bah, venez nombreux, hein, même si vous n'êtes pas forcément de Fontaine-sous-Jouy ou des communes à côté. Donc, dès que vous êtes d'une commune du Cap-Nord-Est, vous venez, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous, et ceux qui ne connaissent pas Fontaine-sous-Jouy, vous allez pouvoir visiter cette magnifique commune. Parce qu'en vrai, c'est cool, Fontaine. Oui. Voilà, et donc voilà, 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 voilà. Ouais. Allez, suivante, Elliot. Suivante, oula, ah non, là. Bon, c'est pas grave. Ça va pas passer. Voilà. Bah, nickel. Ça, c'est toi, je laisse faire. Je laisse parler un peu parce que je parle depuis tout à l'heure. Merci. Le 20 et le 21 février, je serai au Boulay-Morin de 14 à 16h les deux jours. On fera une initiation graphe sur cellophane devant la mairie. Et si ça se passe bien, on va dire que prochainement, on fera une autre intervention. On ira peindre un arrêt de car. Donc là, faudra, on peut se rater sur le cellophane. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'apprendre un peu sur cellophane. Et après, on essaiera de faire, si on est assez bon, le groupe de jeunes et moi-même, on essaiera de faire l'arrêt de car. Donc c'est un projet sympa de la part du Boulay-Morin, nous laisser la possibilité de peut-être de faire une bêtise. Voilà, ils sont bons. Joueur. Voilà. Et on a Lucien qui félicite Elliot qui est en régie. Hein. Bah, ouais. Merci Lucien, le technicien voilà, ancestral. Mais qu'il est bon le tech. Qu'il est bon le tech. Et voilà. Voilà. Allez, le tech, change de photo. Ah, comment tailler ces arbustes et ces arbres au mois de mars. Donc venez nombreux, on vous l'a déjà redit. Ça fait ouais, deux semaines. Il y a déjà pas mal d'inscrits. Hein. Ah bon ouais, d'habitude, il n'y a personne qui appelle, forcément, pas grand monde qui appelle pour, ouais. Forcément pour s'inscrire sur ce genre de choses. Ouais. Ils viennent directement et il y a toujours du monde sur les activités, il faut bien le savoir. Bah oui. Et là, j'ai l'impression que ça plaît, ce genre de proposition, parce que là, je commence à avoir une liste d'inscrits. Ah, plus ceux qui vont venir sans être inscrits. Donc ah en oui. Vrai, tous les bénévoles, le noyau dur du petit café de pays, voilà. La plupart, ils vont être là. Plus ouais. Ceux qui ne fréquentent pas forcément le petit café de pays en règle générale, il y a des gens qui ont déjà commencé à m'appeler. Alors, je ne vais pas donner leur nom ni le nombre. Voilà, ça. Non, bah, non. Mais en vrai, il va risquer d'avoir du monde, donc ça va être bien sympa. Surtout que Nathalie est une pipelette, donc vous allez sûrement apprendre énormément de choses. Voilà. Voilà. Donc, une pipelette, mais elle est très gentille, enfin, c'est pas ouais. Méchant. Voilà, c'est vraiment. Donc on cool. Répète, 1er mars, 17h30. Exactement. Il faut prévoir ses gants et ses cutters. C'est ça. Le coup de cœur, voilà, maintenant que la magnifique bibliothèque de Gravigny est enfin réouverte. Exactement. Vous pouvez venir présenter vos coups de cœur des lecteurs. Donc le vendredi 10 mars à 18h. C'est ça. C'est un peu comme les coups de cœur qu'on vous présente au petit café de pays, mais c'est là c'est oui, la même oui, chose. Mais ça se fait dans beaucoup de bibliothèques. Ça, mais hein. voilà, voilà, c'est à Gravigny le 10 mars hein. À 18h. Mais voilà.
Ouais, c'est des moments sympas. Alors, en tout cas, ceux au petit café de pays, c'est vraiment très sympa. Donc, je pense que dans la bibliothèque de Gravigny, je pense qu'il y aura la même ambiance sur le truc et ça risque d'être bien cool. Et c'est. Bizarrement, c'est pas bizarre, mais c'est vraiment très suivi ce genre d'activité. Très, ouais. Très suivi. Voilà. Après, il y a du taf là. On vous laisse lire. Si vous voulez vous mettre pause. On vous l'a dit la semaine dernière, mais je pense qu'on n'a pas mis l'affiche cette semaine. Non. Il y a le repas du Secours Populaire, voilà. C'est ça. Voilà, le repas du Secours Populaire la semaine prochaine. Le PST Show. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est la boum. Ah, c'est le samedi. Ouais. Non, c'est pas samedi. Il y a une erreur. C'est vendredi, mais il y a une erreur sur l'affiche. Voilà, donc c'est vendredi à la salle Gérard Philippe. Voilà. La préparation du carnaval, l'hivernal de 30 à 56 km, on va en parler après, un peu plus tard. Le coup de cœur des lectures, vous venez de le voir. Les amis de la maladrerie qui font leur assemblée générale, le 23 mars. C'est ça. C'est la maladrerie. Visa, je sais plus. Ouais. La foire à la périculture par les premiers pas, mars. Le dimanche, à la salle Gérard Philippe, une exposition de dessins le samedi et le dimanche 18 et 19 mars à la maladrerie. Ouais. Les interclubs de karaté les 18 et 19 mars également au complexe sportif. Le carnaval le 25 mars et le bal country qui se fera du coup le 26 mars à la salle Gérard Philippe. Ce sera organisé par Urban Cowboy. Et t'as tout fait? Ouais. On a dit vous avez qu'à lire et toi t'as tout dit. J'ai tout dit et en plus toi t'as galéré à lire et moi j'ai réussi à le lire. Alors moi je ne vois pas si le... parce qu'en fait faut savoir qu'on a un écran de retour, oui. Et les affiches se passent devant nous et c'est une grande télé pourtant, mais alors moi je suis à 2 mètres même pas et je ne vois pas ce qui a marqué. Voilà. Absolument. Voilà. Faudrait peut-être que t'es presbyte. Je ne répondrai pas à cette question. Non, je suis hyper mitrope. Ah d'accord. Et je suis hyper gentil aussi. Voilà. Donc allez, à la fiche suivante. C'est n'importe quoi. Donc du coup, je pense que c'est l'hivernal, si je ne me trompe pas. Bien joué. Oui, le 5 mars, donc on vous l'a présenté la semaine dernière avec les différents parcours. Voilà. Vous avez bien sûr toutes les informations sur le Facebook du Club VTT Gravigny. Voilà, ainsi que sur celui de la mairie. Et vous avez également toutes les informations sur notre page Facebook à nous. Exactement. On a retransmis le truc. Exactement. Super. Alors, amis cyclistes du VTT, de la pédale. Allez manger de la boue. Parce que là, allez manger aussi de l'air et du froid. Ouais. C'est quoi? Peut-être froid, le 5 mars. Ah, 5 mars, ouais. Mettez une petite laine. Mettez une petite polaire. Une petite polaire. Parce que là, polaire. En tout cas, félicitations à ceux qui vont le faire. Vous êtes très courageux. Courage. Moi, surtout, on encourage fortement ceux qui feront le 57 km. Ouais. Parce qu'il est très très long. Moi, je vous encourage et je vous admire surtout. Mais la même. Clairement. Voilà. Et je pense qu'après, vous allez avoir une petite bière à la fin parce que je vois qu'il y a une coopération avec la Brasserie Sport en partenariat. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être. Voilà. Ça désaltère. Voilà. Alors oui, il n'y avait pas d'affiche, oui. Donc j'ai fait un screen de mon écran. Animation à la médiathèque de Sac-en-Ville. Et oui, sachant que ça a été pris sur l'application Panneau Pocket, qu'on vous a déjà présenté. Voilà, Panneau Pocket, c'est vraiment trop cool. Et donc, ils font un événement sur l'histoire de l'eau. Voilà. Il fait l'eau? Voilà, en gros, c'est ça. Zoom sur l'élément le plus vital de notre planète au travers d'une histoire d'eau, histoire comptée et instrumentalisée sur le thème de l'eau sous toutes ses facettes. Donc c'est mercredi 15 février à 16h à la médiathèque de Sac-en-Ville, donc c'est pour les 2 à 6 ans. Et la médiathèque, vous arrivez à Sac-en-Ville, elle est direction le stade de sport et c'est un beau bâtiment à l'entrée du parking de la salle des fêtes en gros, à côté de la mare. Oui, il faut préciser que c'est sur animation réservée. C'est sur réservation ? C'est écrit animation réservée. Ah non, animation réservée aux enfants de 2 à 6 ans. 2 à 6 ans, ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, je suis réservé sur. Je suis mis sur animation réservée. Ouais. J'ai pas vu le dessous. Non, mais il n'y a pas de numéro pour appeler. Non, je pense que vous pouvez dire ça directement. Non, je pense que ça directement. Juste entre 2 et 6 ans. Bah, 2 à 6 ans avec leurs parents, quoi. Parce que, ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est réservé, c'est parce qu'à un moment donné, c'est adapté aux enfants de 2 à 6 ans. Voilà, donc. Parce qu'effectivement, quand si t'es un. Bah, j'ai le triple de l'âge maximal. Oh là là. Moi aussi. Un peu plus. Moi aussi. Allez, vas-y, un peu suivant. Des oiseaux. C'est quoi comme oiseau, ça? Je sais plus. Bon, c'est un moineau, je crois.
je crois. Alexandre, envoie-moi un texto. Alexandre, au secours, sauve-nous. Ouais, et je crois que c'est un moineau. Parce que on ne veut pas vous dire de bêtises. En plus, on a fait la soirée comptage des oiseaux. On n'est même pas foutu de reconnaître un rouge-gorge d'un moineau. Non, je crois que c'est un moineau. C'est moi qui l'ai fait l'affiche. Et je crois c'est un moineau que j'ai pris en photo sur Internet. Ouais, donc en gros, les copyrights, on s'en bat les cacahuètes. Non. Alors, quand on fait les affiches, on prend que des images sur des sites libres de droit. D'accord. Ah, qu'on soit bien d'accord. Voilà, toutes faut bien les images le préciser. Qu'on voit, tout est libre de droit. Pareil, les vidéos qu'on met en incrustation sur la Web TV, tout est libre de droit. Les musiques sont libres de droit. Voilà. Vous inquiétez pas. On s'embête pas. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous. Oh, on a un Florentin Sauvage qui vient d'arriver en régie. Non. Hein? Non. Ça a accroché? Non, arrête, t'es pas sérieux. Bah, c'est pas grave, ça enregistre. Ok. Attends, parce que là, il met le doute, là. Non, vas-y, joue. On se parle en côté. Ah ouais, non, on n'est plus en direct. Mais si, on est en direct. Non, on n'est plus en direct. Ça a planté à quel moment? Attends. Ah ouais, en fait, ça a planté il y a longtemps, en fait. Ouais, c'est pas grave, on continue. On va le remettre en ligne après. Donc, la sortie des oiseaux, le 15 avril, au petit café de pays, donc à 8h45. Florentin, il ira parce qu'il aime bien... se lever de bonne heure et marcher pendant 2 heures pour faire ses pas sur WeWard, hein, Florentin. Voilà, donc apportez vos jumelles si vous n'en avez pas. Ça va être dur. Voilà, ça va être compliqué. Ça va être dur. Et du coup, voilà. Donc c'est avec Christian. C'est ça, Christian qui habite Saint-Germain-des-Angles. Bah, on l'a déjà fait l'année dernière avec lui. Ouais, exactement. Voilà. Et c'était cool. Le troc. Plan le 13 mai. Ah, on a l'heure qui est cachée avec nos têtes. Au petit café de pays. Oh, c'est toute la journée. Oh, c'est souvent 9h-17h, je crois. Ouais, ça. 10h-17h, je crois. Non, je sais plus. Non, c'est que le matin. Oh, ben, c'est moi qui ai fait. 9h-13h. Merci, Florentin. 9h-13h, merci beaucoup. Donc, vous pouvez venir échanger ou donner plantes, graines, boutures, fruits, légumes, fleurs. L'année dernière, j'ai eu un petit plant de tomates cerises. Ouais, mais moi j'ai échangé pas mal de choses aussi. Parce que il a pas tenu des graines aussi. Il y a pas mal de graines aussi, ça c'est cool. Ouais. Là, les graines, c'est ça te sort. Alors, ça, qu'est-ce que c'est, Julien, la plante? C'est une plante grasse. Ouais. Et je n'ai aucune idée. C'est une image libre de droit. Je me demande si c'est pas de l'aloe vera. Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Non, trop pas. À mon avis, c'est un cousin. Peut-être. Ou une cousine. Je ne sais pas. Ouais. Bon, venez nombreux, on exclut pour l'instant, c'est le troc plante, voilà. C'est une exclusivité, Web TV Cap Show. Exactement. Voilà. Et pour finir notre émission avec les informations... Le lendemain du troc plante. Voilà, le lendemain, de 9h à 17h, donc ce coup-ci sur la journée, il y a un vide dressing qui est organisé. Donc les tarifs sont les suivants. C'est 5 euros en extérieur et je crois que c'est 2 euros les mètres en intérieur. Non, il n'y a pas en intérieur. Non. Ah d'accord, bah c'est 2 euros le... C'est 5 euros le mètre. D'accord, 5 euros le mètre. Non, ou l'emplacement, je ne sais plus. 2,50 mètres, 5 euros. 2,50 mètres, 5 euros en extérieur. Voilà. En extérieur, mais ce sera qu'en extérieur. Ok. Voilà, on ne fait pas donc, l'intérieur. N'hésitez pas à appeler Julien. Je ne vais pas redire ton numéro cette semaine. Non, ne t'inquiète pas. Merci. Il est déjà affiché, mais on ne va pas leur dire parce qu'à chaque fois, je te fais le coup toutes les semaines. Arrête de mettre ta main sur mon genou. Mais il y a Florentin qui me dit oui en plus, il me dit de leur dire. Mais non, je ne le dirai pas. Ah, ça y est, Florentin est arrivé, il joue avec les pattes. Ça y est, il est tout content. Ok, et donc ça à l'ancienne école, au petit café de pays. Donc, voilà. On a refait les réparations. Donc là, c'est pas encore. C'est la première fois qu'on le diffuse. Voilà, faut encore qu'on fasse la déclaration, tout ça en bref. Voilà. Mais ça sera fait bientôt. Voilà. C'est tout. C'était tout pour ce soir. C'est déjà pas mal. C'était cool. Et on a perdu le. Désolé, on a perdu le direct pour ceux qui étaient en direct. Ouais. Je sais exactement pourquoi on a perdu le direct. Mais moi aussi, je sais le pourquoi du comment. Parce que j'ai prêté mon téléphone à mes enfants qui sont en train de jouer avec. Et ils ont dû couper la connexion du truc. Voilà. Donc on c'est dû pas mettre grave. Ton téléphone, mais on c'est pas grave. Le truc. Voilà. On réuploadera la vidéo après. Ouais. Merci à tous. Voilà. À vendredi prochain. Ouais. Merci Elliot d'avoir assuré la technique. Tout seul. C'était cool. Ouais, carrément. Voilà, on applaudit. Hein. Et merci Martin. Merci Flo d'avoir débarqué. Débarqué un peu à la fin. Ouais. Et puis bah voilà, on sera en direct vendredi prochain. Oui. Peut-être avec une surprise. Ah! Peut-être avec une surprise. Et on aura peut-être. Un nouveau concept de Web TV, mon gars. Ah, moi j'annonce. Attention, t'es pas prêt là. T'es pas prêt. Moi j'annonce quelque chose. On risque sûrement d'être pris sur un événement. Je n'en dis pas plus. Allez, bisous TikTok, bisous Facebook, bisous Instagram, bisous à mamie, bisous à tout le monde. Bisous à tes parents, à tes enfants. Voilà, et bisous le monde. Et salut le Cap Nord-Est. À vendredi prochain. Tchou!